Programme du jour, mesdames et messieurs, on va, dans un premier temps, commencer par un tribunal des bannis. On va juger tous les renégats qui ont essayé de nous faire du mal, qui nous ont insultés, ça va être drôle, il y a des petites lettres d'excuses qui sont assez géniaux, ça va être du grand n'importe quoi. Alors, commençons tout de suite. Nous avons Ethan, qui nous dit « Ça fait bizarre de revoir Jiraya, je suis dégoûté qu'il soit... » Mo. Alors qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il nous parle de Mo. C'est qui Mo, les gars? Attendez, bah on va chercher la définition de Mo. Symbolique chimie de molybdène. Abréviation de mégaoctets. Ah, des MO! Mais oui, les gars! Il parle de mégaoctets, en fait, depuis le début. Ah, mais les gars, mais faut le comprendre, en fait. On va annuler. Du coup, c'est vrai que Jiraya pèse un peu plus qu'un MO, hein. Je dirais même un TO. Voilà, un téraoctet. Tout le monde dit cette phrase. Mais de toute façon, ça sert à rien de l'écouter, il va canner. Non mais regardez l'excuse. C'est quand même assez fabuleux. Yo, mais t'as cru que c'était Messenger? T'as cru qu'on était sur MSN ou quoi? Ou sur Skype? Le truc d'excuse, c'est pas pour taper la discute, frère. Eh, tu bannes, gros. Ça va ou quoi? On va lui mettre un petit yo, les gars. Ah, oh, putain, il y a des quiches, hein, quand même. Réponds-moi STP, réponds-moi STP, ça lui fait mis des mots bonjour STP, dis-moi bonjour STP. Tu me dis jamais bonjour Femi. Bah attends, mais c'est la reine d'Angleterre ou quoi? Et là, il a pété un câble. Parce que je lui disais pas bonjour. En plus, je dis bonjour à tout le monde, tu sais. Commence mon stream, je dis ouais, salut tout le monde, salutations à tout le monde. Malheureusement, je peux pas faire cas par cas, tu vois, je peux pas dire bonjour Sasuke, bonjour Pixuma. Yo tout le monde. Si on fait ça, en fait, frère, on va jamais commencer le stream, tu sais. Aïe, FDP de Modo qui m'a ban live pour rien encore. Il m'aurait mis un temps ban, ok. Mais là il m'a ban live, c'est n'importe quoi c'est Modo. Choisis à l'aveugle, je le reporte. Et je vais reporte cette chaîne aussi parce que c'est n'imp. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Moi j'ai rien à voir avec tout ça. Pourquoi je me prends une balle perdue? Après je suis d'accord avec lui. Il aurait pu prendre un ban temporaire mais là il est parti trop loin. Et à un moment faut quand même doser quoi. Qu'il se fasse un thé vert ou je sais pas quoi. Et qu'il se détende le frérot. Je comprends pas, la balle perdue, je n'ai rien fait. Moi j'ai rien fait moi. Oula! Mais attends, mais que... Sasuke, Nikta! Ah non, elle est morte, c'est vrai. Prépare les mouchoirs. Oh non, là c'est une bavure. Je savais pas, DSL, je spoil plus, c'est bon. Mais là, il a parlé de mouchoirs. Oh non, on le déballe, les gars. Pour le dossier de Clipso, je tiens à m'arrêter sur un élément, les mecs, qui est assez important. Pourquoi il nous dit ça? Baka Femi, faites-moi le... Expose-moi le trou ou deux. Démarre-moi jusqu'à l'épuisement. C'est un animal, hein. Là, le mec, c'est un climat. Le mec, il s'est cru sur un site de boule, quoi. Excuse, gênant le ban ratio. Je... En vrai, j'ai envie de le déban. En vrai, il était un peu différent, quoi. Prends des médocs, parce que on comprend pas où tu veux aller. On va couper la musique, parce qu'il y a quand même un truc qui est assez incroyable. Alors déjà, il spoil. Mais il a pas fait exprès de spoil. Ça se voit, dans sa phrase, il a pas fait exprès. Il a pas utilisé son cerveau à ce moment-là. Et il me dit... Toutes mes condoléances. Mais il y a personne qui est mort. Hein. Tranquille quoi, tu vois. Pourquoi toutes mes condoléances? Il y a pas de Modo qui est décédé, il y a pas de viewer qui est décédé, enfin, ça va quoi. On va rejeter bien évidemment et on va lui dire toutes mes condoléances. Voilà. On va continuer sur sa lancée. Pas de pitié pour lui. Itachi va dead, ça crois-moi, petit jeu de mots. Bon, je rigolais, je ne recommencerai plus, désolé. Je pense vraiment que mon humour est mort. Parce que j'arrive pas à je comprends pas leurs blagues. Limite, ça me déshumanise, les gars. Ça me déshumanise, leurs blagues. Genre, Itachi va dead, ça crois-moi. Petit jeu de mots. En plus, il est où le jeu de mots, là? Tu sais quoi? Il aura même pas de mots d'excuse ou je sais pas quoi. Il aura aucune raison. C'est fini. Azuma, il est pas encore mort, là? What the fuck? Oh, il a résisté! Et Azuma... Ah ouais, bah... J'avoue avoir dit quelque chose qui pouvait risquer de spoil. Mais je m'en suis pas rendu compte direct. Je promets que ça ne se reproduira plus. Bonne soirée et encore désolé. C'est des vraies excuses, les gars. C'est la première fois qu'on a des vraies excuses. On va le déban. Et on va lui dire, bon retour parmi nous. Par contre, claque ton prime. Allez, les modos, bannez pas des gens qui ont un prime. Sinon, on fait comment, nous, après? On peut plus avancer, hein. Comment on fait pour nourrir la daronne? Comment on fait pour nourrir le papa et pour lui payer ses médicaments? Comment on fait, nous? Je kiffe depuis TikTok, donc ça commence bien. Madara est en vie. Ah, non, dommage. Ça commençait bien, les gars. STP, excusez-moi, les modos, je ne recommencerai plus. Au moins, j'aimerais regarder le chat excusé. C'est dommage parce que il m'aime bien, tu vois. Il y avait une alchimie, il y avait quelque chose, mais après il a. Et même comment il a écrit en vis. Là, Madara est en vis, quoi. Je pense qu'il parle des vis, les mecs. Des vis Madara. Alors, est-ce que ça existe vraiment en vrai, ce truc-là? Ça existe, les gars. Il y a des vis Madara. Je pense qu'il parlait de ça, à mon avis, pour le BTP ou je sais pas quoi.
Pour construire un bâtiment, je pense. Tapez Vice Madara, vous verrez. Hein. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. On va le déban, hein. D'accord? Du coup, les Vice Madara, elles sont en rupture de stock sur Amazon. Je fais comment? Femi le moche. Femi le pleurnichard. Qui pleure sur des animés. Femi le moche. Femi le pas drôle. Femi le. Dès ça, je ne recommencerai plus MDR. Bon, apparemment, il a un problème avec mon physique, les gars. Je peux pas lui en vouloir. Oh là là, oh le dossier. Oh. Regardez le casier judiciaire, les mecs. 4 ban tempo. Un ban def. Le gars, waouh, il est pas à son premier coup d'état, quoi. Il me trouve moche, mais il n'y a pas de souci, moi. Moi, je... En vrai, il a le droit de dire que je suis moche. Il n'y a pas de souci. C'est juste que... Enfin, voilà, c'est vrai que... Quand je me regarde dans le miroir, voilà, c'est vrai, quand je vois ma tête, je me dis... T'as raison, c'est ça le pire. Tu m'as ouvert les yeux sur mon physique. Je ne peux plus me regarder dans la glace. Merci de m'avoir dit les choses avec le cœur. Mais en vrai, j'ai envie de te ban. Clac. Annuler. Voilà. Non mais en vrai, est-ce que c'est important d'être beau physiquement, les gars? On s'en fout. La beauté, c'est pas juste le physique. La beauté, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est ce qu'il y a là-dedans. Et après, bah, il y a aussi l'apparence, mais ça compte pas énormément non plus. Vous êtes tous beaux, les gars. Vous êtes tous beaux. Aimez-vous. Que vous soyez gros, que vous soyez maigre. Que vous soyez musclé, que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez tout ce que vous pouvez être, même un animal, y a pas de soucis, tout le monde est beau. Naruto supérieur à One Piece, ça commence. Naruto supérieur à One Piece, déjà ça m'énerve. Ça va faire des débats, après les gens ils vont se mettre des coups de bâton, il y aura que des moches. Sasuke meurt à la fin. Moi j'ai rien spoil, je sais même pas pourquoi je suis ban, MDR mais bon pas grave. C'est vrai, Sasuke ne meurt pas, mais ça s'appelle... Un fake spoil. Sasuke est même pas mort. Tu m'as menti. Et moi je déteste les mensonges. Je préfère qu'il soit honnête avec moi, tu vois. Sasuke est même pas mort. Tu m'as menti. Salopio. Voilà. Je ressemble à Johnny Hallyday. Alors je sais pas comment je dois le prendre. Si je dois bien le prendre ou mal le prendre. En vrai Johnny ça va. C'est vrai que j'ai envie d'allumer le feu. Ah, après il dit que je ressemble à Julia Bayonetta. Ah ça va, si je ressemble à Julia Bayonetta, y'a pas de problème. Salut BG, Johnny Hallyday. Attends mais je ressemble à Julia Bayonetta ou à Johnny Hallyday? Ah non, Hallyday. Je sais pas comment je dois le prendre les gars. Bayonetta ou Johnny Hallyday? La mort de... est déjà passée? Oh non, j'ai aperçu mon erreur juste après le ban, je suis désolé. J'aimerais être déban en promettant de ne plus parler de ça. En fait on s'en fout qu'il est spoil. Moi je veux juste savoir si je ressemble à Johnny Hallyday. Ou à Julia Bayonetta, les gars. Est-ce qu'on peut faire un sondage, les modos, s'il vous plaît? Parce que moi, je veux savoir, c'est important pour moi. Julia ou Johnny, c'est tout. Le spoil, on s'en tape. Vous votez, les gars. Et après, en fonction de la réponse, eh ben, il va se faire des bans. Ou ban. Voilà, ça dépend. Ah oui, d'accord. Oh là là. Je ressemble à Julia Bayonetta? Attends, mais... Elle ressemble à quoi, Julia, en vrai? J'aime bien les mecs, genre... inexpérimentés total. Qui n'ont même jamais fait de bisous sur la bouche à quelqu'un. Ça, c'est vraiment mon style de mec. Tu suis trop bizarre. Ah ben oui, je le ressemble. Ah oui, oui. Ah oui, je le ressemble. Ouais. En vrai, en tout cas, il y a plus de ressemblance avec Julia qu'avec Johnny. Voilà, ça c'est sûr et certain. En vrai, pour moi, c'est un compliment. C'est même un bon compliment, tu vois. Johnny, il était un peu... Il était pas bien. Il était vraiment pas bien, mais... Julia, elle a l'air en forme, en vrai. Vous êtes 90% à dire que je ressemble à Julia. Et vous savez quoi? Même moi, je vais voter. Je vais dire que je ressemble à Julia. Non, mais c'est la moustache. Ouais, j'ai pas vu de moustache chez Julia. Je pense pas que ce soit ça. Hein. Bah, du coup, je m'appelle Julia, maintenant. Je m'appelle Julia. Et la bonne réponse... était Johnny, les gars. Malheureusement, je vais être obligé de rejeter parce que... C'est vrai que je ressemble à Johnny en fait. Malheureusement, si vous aviez voté pour Johnny, on l'aurait débanni. Mais là, vous avez voté pour Julia. Il n'y a aucune ressemblance entre Julia et moi. Parce qu'en fait, Julia, c'est une fille, les mecs. Julia, c'est une fille. Moi, je suis un garçon. Ah, Julia, elle est jolie. Et moi, enfin, on l'a vu avant, tu vois. Enfin, on l'a vu avec l'autre, le chômeur, qui disait que j'étais moche. Donc, enfin, on peut pas, tu vois. Le beau et le moche, ça s'accorde pas, les gars. Et du coup, bah, c'est pas possible. Merci encore une fois de m'avoir ouvert les yeux sur ce que j'étais. Vraiment. Adieu. Jiraya va mourir! T'as grave raison! Ah! Il est mort! Ah! Oh! Le saligo! Il a rien pu faire! Pas sa pain! Et sa boulangerie! Fin de communication. C'était votre général. Au revoir, mesdames et messieurs. Adios, Lepido. Je vous aime.